Ah, ça y est, on peut enfin parler au bout de 6 minutes. Génial. Bonjour à tous et à toutes. Sur le site, bienvenue pour enfin la suite de Benjamin
Hunter Investigation, Ace Attorney. Nous sommes donc sur le milieu de la troisième partie, milieu de l'enquête. La dernière partie qui est sortie il y a 3 semaines à peu près. Oui, la musique rame, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Trop d'informations pour le jeu. Nous avons donc continué notre petite enquête. Avons découvert que les billets de Babal sont donc faux. Que l'encre de Babal aussi, lorsqu'on la brûle, fait une lumière verte. Ce qui aurait donc pu être le début d'incendie sur un des deux qui a été fait. Une reconstitution nous a aussi permis de savoir que la pièce qui est derrière Benjamin Hunter est en fait sont reliées par un système de cheminée. Enfin, le fond de la cheminée permet de changer de pièce sans devoir passer par les portes. Et maintenant, nous avons donc prouvé, et moi je vous le dis maintenant, que c'est Sheena qui est la coupable, ou du moins qui est complice. Un des deux. Sur ce, continuons ce jeu. Donc Sheena, mais direct, parce que c'est obligé. Et ouais mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Ça me semble logique. Ah oui. Ah bah c'est très très bizarre. Ouais, oui, mais tout à fait. Exactement. Oui, toi. Oui, et donc tu étais dans le couloir, dans l'autre sens. Exactement. Oh. Eh bien, il a volé, évidemment. Non, ça marche pas, arrête. Oui, hein, El Famoso chemin cheminé. Et lol, il est lol. C'est bien. Mais c'est qui suis? Mais c'est qui suis? Non, mais. Non, il faut garder la surprise là, tu vois, cette twist. Hein? Si on dévoile tout de suite comment ce n'est pas drôle, tu le sais. Dans tous les jeux, si tu dévoiles comment il a fait, c'est mort. Le spectateur, après, il est sorti. Il faut garder ça pour le bon moment. Ah, Bruce Powell, et oui. Vas-y. C'est la fenêtre. Oui. Et vite. Évidemment, il a complètement volé, tu as tout à fait raison, c'est juste pas le bon étage. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais... Non. Non mon dieu. Il montre les doigts. Ah bah si, ah bah complètement que si. Waouh, cette phrase était absolument pas téléphonée. La musique? Non, la musique. Musique? Enfin la musique. Appelez la musique. Regardez bien. Voilà cette magnifique photo. Tu la vois la photo? Tu la vois la photo? Est-ce que tu la vois? Alors,
je cherche autre chose. Non, c'est ça en fait. Non, c'est juste ça en fait. Regarde là. Je vais t'expliquer. Grâce à quelque chose. Voilà, second étage. Et là, c'est troisième, quatrième. Voilà, donc. C'est pas lourd, c'est pas lourd. Oh là là. Ah là là. Ah bah si. C'est une main. Mais je vais le faire. Babalois. Oh, c'est dit comme ça. Ok. Mais oui, mais Shina va sans doute expliquer. Parce qu'elle était là. Ah, tu veux vraiment... D'accord, tu veux vraiment jouer à ça. Waouh. Mon dieu, le souris, c'est incroyable. C'est fou, c'est la première fois qu'on voit ça. Par contre, c'est pas le vrai sourire. C'est pas un bon sourire. Moi, ouais, je tiens à le dire. Tout ce que tu sais. Oh. Elle est virée. De loin, elles sont rouges quand même. Les déplacements. Ouais. Ouais. Oui, c'est toi. Tu es arrivé. Oui. C'est pas très très gentil. C'est pas très très gentil de dire ça, surtout que tu mens. Parce que là, tu viens de te faire avoir. Tu viens encore plus de te faire avoir. Ah ah ah. Quoi? Bah ouais. Bah écoute, laissez la police faire son enquête, s'il vous plaît. Ah, tu transpires un petit peu, hein? Oh. Hein? Hein? C'est un peu facile, hein? Et ouais? Moi aussi, je peux aller vite. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, 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 c'est ça. Je te sens en stress. On sent qu'elle a pas trop le choix quand même. Ouais. Maintenant je vais contre-attaquer. Et je sais où tu t'es trompé même. Je vais réfuter qu'est-ce que tu as dit. Oui, blablabla, des trucs, des machins. Oui. Oh là, mais j'ai entendu un cri. Oui. Là, qui était dans la pièce d'à côté, je n'ai pas pu. Bien sûr. Oui, alors, comment te dire? Alors. Ta gueule. Voilà, c'est clair, au moins elle le sait. Passez vite. Mais moi je vais te l'expliquer. Oui, exactement. Bah, en fait, c'est pareil. Regarde, ça pivote. Bon, le plan pivote, mais ça fait pareil avec la cheminée.
Et ouais. Ah. Petit courant d'air. Fermez la fenêtre peut-être. Voilà. Attention, et paf, ça tourne. Et là, elle serait face à lui. Et oui, sauf que c'est pas vraiment ce qu'elle dit. Parce qu'elle est... mort. Parce qu'elle suspecte, surtout. Ah mon dieu, une nouvelle tête. Est-ce que en une seule réfutation on vient de finir un truc là? C'était beau. Voilà. C'était malin. Ah, elle bouge un petit peu. Ah. Oui. Retourne de l'autre côté, toi. Retourne de l'autre côté. Pourquoi t'es de mon côté maintenant? Oh, elle rigole. Waouh. C'est la première fois. Oh, cette tête. Oh, cette tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Oh, je suis pas bien. Oh, je suis pas bien. Oh, je suis encore plus pas bien d'un coup. Ah, je suis vraiment pas bien. Bah si. Et bah voilà, c'est fini. Allez, on va trouver le coupable. C'était vraiment trop facile. Ah là là. C'est pas très gentil de me dire ça. Bah, j'ai une photo de la cheminée, en fait. Ah oui. Ah oui, montre-moi que tu as du... De la réflexion. Parce qu'il n'y avait pas les cendres. Et... ah, évidemment. Voilà, c'est parce qu'il n'y avait pas les cendres que l'autre con il avait fait brûler. Ambassadeur, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Tout à fait. Il a fait brûler tes papiers. Voilà. Pourquoi ils étaient de l'autre côté, surtout? Oui, c'est la question. Parce que, hop là, ça a tourné. Waouh. C'était une logique incroyable. Faut expliquer ça aux gens. Et elle continue de rigoler très très fort. Bon, j'en ai marre. Ça me fait vraiment très très peur, en fait. Bah écoute, hein, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Ah mais on est actuellement dans un pseudo-tribunal. Un simili-tribunal même. Attention, ça ne rigole pas. Et bah ferme ta gueule. Voilà. Allez. Allez, oui, allez, après on s'arrête. Hein, allez. Ok, très bien. C'est toi qui l'as dit.
J'espère que tu es prête. Oui. Oui. Mmh. Alors, concernant quelque chose de suspect, dans le bureau de monsieur, qu'est-ce tout? Parce qu'évidemment, il faut en parler. Un peu. Oui, non, ne dites rien, ne dites rien. Ne dites rien. Ah oui, comment? Allez, on finit. On termine même. Hein. Réfutation. La dernière. Oui. Oui, il a servi. Ok, admettons. Je ne peux pas le prouver réellement. Alors justement. Justement dans le bureau de monsieur Jean Question, on a trouvé qu'est-ce que c'est? Voilà, des faux billets. Ce qui est quand même un petit palouche. Un tout petit palouche. En fait, c'était caché sous un meuble. Je pointe du doigt. Au nom du ciel. Oui. 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 Oh mon dieu, ça pointe du doigt. Waouh, c'est pas des choses. Tout à fait. Elle m'a lu, oui. Ah bah oui. Alors, je l'ai trouvé. Je l'ai bien trouvé même. Non. Est-ce que tu as vu ce magnifique fil de fer? Très beau fil de fer, n'est-ce pas? Tu transpires un petit peu, non? Bon, ils savent pas. Ils savent rien. Interpol. Des hommes, des femmes. Mais la compétence n'existe pas. Oui, tout à fait. Bah oui. Oh, ah ouais. Très bien. Et cet endroit, eh ben je vais vous le dire. Il s'agit de... Ah, attention, 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 attention.
Tu vas jamais le croire. Ici, là, cette salle là. La salle où tu étais. Parce que c'est là où tu étais surtout en fait. Inspecteur! Vite, cours, fais un truc, monte les escaliers. Oui, c'est normal. Excusez-moi d'avoir un émulateur qui marche pas très très bien. Voilà. Alors, pas que, en fait. On va pas se mentir que ça m'a traversé l'esprit. Comment est-ce que au moins. Est-ce qu'au moins il va trouver ici? J'espère vraiment qu'il va trouver. Ah oui, mais tu ne réfléchis pas assez, Van Karma. Ah, il y a trop des champs. Et qu'as-tu trouvé? Et on t'a trouvé un truc bien. Un truc bien, s'il te plaît. Ah, mais c'est pas mal du tout. Peut-être. Bien sûr que non. Pas du tout. Ah bah si. Ah bah si, complètement. Dans l'intérêt de l'enquête, c'est pour le travail. Ah, elle transpire. Ah, c'est ce que tu crois là. Mais que vais-je examiner en premier? Eh bien, tout d'abord, le fameux manteau. Parce que c'est celui qui m'intéresse. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Tu as dû traîner un petit peu partout, dis donc. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Bah, sûrement, mais bien sûr que non. Tu veux des preuves? Tu veux des preuves? Ah, t'as vraiment envie que j'avoue? Très bien. Très bien. Détective, tu as été utile. Eh oui. Eh bien, réfléchis. Je vais même te le montrer dès maintenant. Alors. Il s'agit de cette magnifique encre. Prends ça. Ouais. Ça t'embouche un coin.
Et ouais. Ah, mais il existe un moyen. Bon, il existe un moyen. Mais... c'est un moyen un peu... brutal. On va le brûler. Ça va faire une petite flamme verte, tu vas voir, ça va être super beau. Pourquoi t'as des animaux? Évidemment. Évidemment. Regarde bien. Attention. Magie. Olé. Elle est verte. Ah là là. Est-ce que là c'est bon? C'est clair? On peut dire que c'est bon. Hein? Dire que c'est... ça y est, c'est fini. J'ai bien prouvé. Non. Ah. Oui. Quel extérieur. Eh oui. C'était un twist. Absolument pas du tout caché. En fait, si. En fait, j'ai tout. Oh, quelle belle phrase. Oh, c'est magnifique. C'est aussi beau que les phrases nulles de débile. Des preuves? Tu veux des preuves? Des preuves? Mais ouais. Alors là, si personne ne trouve, je ne sais pas. Oh là là, mais quelle est cette preuve? Oh là là, j'en ai tellement. Je ne sais pas quoi choisir. Ah bah oui. Allez, on se fait une petite empreinte digitale, petite comparaison. Allez, tranquille. Enlève tes gants. Allez. Oh, ah, un peu de musique. Ça y est, c'est terminé. C'est fini. Ah oui, oui. Oh mon dieu, quelle tête incroyable. Elle fait très très peur par contre. Ouais, par contre, il va falloir arrêter. Arrêtez. Oh, c'est le date. Oh. Ça fait peur. En même temps, c'était pas dur. Hein. Mais moi aussi, je suis content. Ouais, évidemment. Rien du tout, évidemment. Bah oui. Tout à fait. Bah évidemment. Enfin, mais moi je le savais. Je l'ai vu. Aussi. Ah bah évidemment. Ah mon dieu, elle va s'en aller. La fuite. Non, je n'ai rien du tout. Oh, c'est pas très très gentil. Ah mon dieu, elle va sortir l'arme du tréfonds de son luc. Hop,
Attends, elle se chauffe. Elle se chauffe. Cette boîte. Ah mon dieu. Oh waouh. Elle a sorti une arme du tréfonds de son Luc. Oui, tu es une imitation. Non, tu te fous pas de ma gueule. Parce que quand on lui en coupe une autre, il y en a toujours deux pour courir. Oh, je me souviens de cette affaire il y a 7 ans. Mais j'ai complètement oublié pourquoi. Évidemment, oui, la première. Oui. Et la troisième, je sais plus. Non, j'ai pas compris. C'est personne en fait. Parce qu'en fait ils étaient trois, c'est pour ça qu'il y a évidemment croche. Ouais, là, oui, on l'a dit il y a 15 secondes, calme-toi. Effectivement. Dans le numéro 2. C'est ta spécialité de dans pas peur. Et le troisième. Oh mon dieu. Et là c'est le twist. Et là c'est le twist. C'était bad. Évidemment. Ah, ça c'est un bon twist. C'était le bon twist. Le bon twist. Bravo Capcom. Évidemment, et pourquoi donc? Oh. Arrêtez, je pointe du doigt. Bon. Fin. Ah non. Oh. Oh, il s'est pris une balle. Ah mon dieu, il s'est pris une balle dans le Luc. Pas dans le Luc, dans la jambe. Ah, il est beau. Ah rien. Tu te fous de moi en fait. Waouh, ça c'était inutile par contre, je m'en foutais. J'ai trouvé un truc, lol, c'est une lala, mais évidemment c'est une lala. Bah oui. Bah oui. Et si on l'associe avec ce manche, ce même manche qui est dans ma poche. Il était dans ma poche depuis environ 3 heures. C'est fou ça. Non. Mange du couteau, babalois, donnez. Yay. Vous avez enlevé 200 grammes de vos poches. Vous pesez maintenant 5 kilos de plus. Avec tous vos objets. Félicitations. Évidemment. Ah mon dieu. Est-ce que tu as tué Jean? Effectivement, oui. Waouh, il est mort à la vue du couteau.
Elle a vu le couteau. Il a vu le couteau. Oh mon dieu, un couteau. Bleh. Oui, mais ça, on sait, on vient de le prouver. Arrêtez de dire des trucs que je sais déjà. C'est toi qui viens de parler? Oh, waouh. C'est pas vrai. Ah oui? Et quel est le problème? Non, dis-moi le problème. Pour faire diversion. Ouais. Bonne diversion. Ah oui, aussi. Aussi. Mais bon, hein, entre nous, hein, est-ce que c'était utile? Ah mon dieu. Ah, c'est vrai que t'étais là. J'avais zappé. LOL. Mais c'était pas grave. Waouh. Oh mon dieu, elle savait tout. Oui, pas plaisante, hein? Oui, évidemment. Ah! Même tes parents. Il y a une vraie troisième patte, il y a une quatrième patte. Non, en fait, c'est débile. Pourquoi je viens de faire ça? Non, c'est inutile. Ah bah oui, évidemment. Ben oui, hein. Effectivement, ça se tient. Oh là 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 là, c'est pas fini. Est-ce que tu veux plus d'enquête dans ton enquête? Oui. Une claque. C'est quoi ça? Ah bah oui, les cheveux courts. Oh mon dieu, suspense. Attention, suspense. Oui. Ah! Mais j'en suis sûr, mon cher ami. Ah ben, je sais. Ah, tu vas voir, il va s'asseoir et paf, la douleur, elle va revenir. Oh, ils ont disparu. Waouh. Non, tu as vu son arme. Mais qui était-ce? Eh ben, il faut le trouver. Et là, c'est le deuxième jeu. Mais pourquoi faire? Mais j'en... Oui, eh ben, tiens. Je les mets dans ma poche. Il y a de la terre. Oh, waouh. Non, fourni, parquet, pas chinois. Oh. Il est minuit? Non, il est la nuit en fait, il est pas l'aube.
Waouh. On a tout résolu. C'est incroyable. Et on sait toujours pas qui est le chef de contrebande. Ah bah non, je suis pas d'accord. Merci, je crois. D'accord, bah tu te casses en fait. Oh, c'est tellement mignon. C'est pas une blague. Ah bah si. Des papiers. Ah. Bah tiens. Les trois papelards. C'est fou, je les ai trouvés moi-même. Je les ai pas lus. Jamais. On m'a rien dit. Ah, parce que c'était toi, espèce d'enfoiré. Mais je te déteste. Mais si, tu crois pas que c'est pas vrai. Oh, c'est pas très gentil. Ouais. 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 Ah, je comprends mieux. Oui. Oui, bah c'est normal en fait. Mais qui ne serait pas énervé, triste et tout ce que tu veux. Eh ben, évidemment. Parce qu'on était des méchants. Regardez comment on est méchants. On est des méchants. Regardez, on est trop sueil. Évidemment, Vachalet, parce que Vachalet est un méchant. Et évidemment. Et oui. Et Faraday, littéralement poignardé. LOL. MDR démarre. Bah si, mais bon, hein. Twist. Waouh. Bon, c'est un essai du parcours de Tom Twist, les mecs. Hein. En fait, c'était une comédienne. Waouh. Oui. Une carte. Oui, d'accord. Si tu veux. Oh, une décor. Oui, je me souviens. D'accord. Vous êtes tellement pas originaux. Mmh.
D'accord. Oh. D'accord. Et c'est là que tu as inversé les couleurs, évidemment. C'était un moyen de pression quelque part. Donc déjà, tu viens de me donner un indice que la contrebande se situe donc à Babal. La sucette, une VHS. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, aussi, surtout qu'elle avait été volée. Mais ça alors? Et il l'a pas détruit. Parce que les méchants sont pas assez méchants pour ça. Ils peuvent tuer des gens, ils peuvent voler, ils peuvent falsifier des papiers, mais détruire une cassette, enfin une VHS, ça ils peuvent pas, c'est trop pour eux. Cassette, vite, trouvons un magnétoscope. Ah oui, Cholem. Oh là là, vous voyez à quel point les cette heure-là, c'est trop bien. C'est que dans l'épisode on te dit en fait toutes les affaires sont liées, que tu le veuilles ou non, mais elles sont liées de manière logique. Voilà le bon mot pour ce jeu, c'est logique. Non, une carte d'instruction, oui, on vient de le dire en fait. Exact. Ah oh, bah je suis... Oh. D'accord. Yay. Loustique. Waouh. Je me sens très bien maintenant. Oui. Oui. Parce que nous sommes dans un film, détective. Formé dans un jeu, mais c'est comme un film. Le gentil que tout le monde croyait, en fait, il n'est pas tellement gentil. Et là, c'est la fin. Ah non, il se barre, très bien. Du coup, maintenant au jeu du... Qui c'est le chef du réseau de contrebande? D'accord. Carnet. Non, même pas. Ah là là, trop de suspense. Bon, je pense que le jeu a subi quelques petits lags à certains moments. Du coup, je m'en excuse. Bon, bah j'avais raison, Sheena, c'était en fait une méchante, hein. Je pense que ça se voyait, ça se sentait quand même que c'est qu'elle était pas gentille. On sait désormais que Calistaria, donc déjà tout ça, Calistaria arrêté, c'est bon. Elle n'a tué personne, donc déjà ça pose la question du est-ce que c'est vraiment elle qui a tué Jean Kistou. C'est ça la vraie question. Elle a foutu le feu, certes, mais oublions ça, maintenant on s'en fout. On sait maintenant que Cholem, dans l'épisode 1, fait partie du réseau, que Bad dans l'épisode 1 est celui qui nous a volé un objet, que dans l'épisode 2, que Monsieur Fachalet était donc une personne que le groupe de Yatagarazu voulait faire tomber. On sait que les instructions du méchant Yatagarazu viennent de Babal, vu l'encre utilisée, parce que quand on brûle la carte, flamme verte magie. Donc, Je suppose que le méchant chef de toute cette histoire, ce serait
l'ambassadeur Palaeno. Je dis ça comme ça. Mettez vos suppositions en commentaire. On saura dans les parties finaux de cette aventure incroyable. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le pouce bleu, le commentaire, le partage, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et si vous ne voulez pas rater la suite, dans la description, il y a le Twitter si vous voulez me suivre. Il y a le Discord si vous voulez rejoindre. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation.